La Calmaker a surchargé vos systèmes. Des gars ne contrôlent absolument plus rien. Je viens de voir un démon courir dans la base. Si tu n'avais pas interrompu la moisson, la race humaine que tu t'acharnes tant à protéger aurait survécu. La moisson. Maintenant, je vais ressusciter l'icône du péché. Elle dévorera la terre et ne laissera que des ruines de ce monde. D'accord, elle fait ça souvent, en vrai. La planète ne reviendra jamais. Toi seul seras responsable et tu auras alors conduit un autre monde à sa perte. D'accord. Cette forteresse sera désormais ta prison. Sans pouvoir, tu ne peux pas entraver notre mission. Et nous pourrons continuer l'œuvre qui doit être accomplie. Ouais, bah alors les gars, calmez-vous, deux secondes. Voilà, merci. Qu'on rigole un petit peu quand même, hein, parce que je vais dire... On peut pas arriver comme ça sur mon vaisseau et me dire que quoi faire, hein. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Doom Eternal. Apparemment, la Kenmaker n'est pas très contente, satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai tué tous ses prêtres, j'ai volé son arme. Enfin, je veux dire, elle a désactivé mon vaisseau, mais c'est pas grave. Moi, je reviens, pimpant, tout frais, comme un gadon. Un gadon? Non, c'est pas le nom du poisson. Je sais pas comment c'est. Je ne connais plus les... Je ne connais plus l'expression... Bon, c'est pas grave, let's on, continuons. Alors, je peux plus me téléporter partout. Je peux quand même utiliser les niveaux maîtres et les choix de mission. Donc du coup, ça c'est déjà pas mal. Alors, le jeu me dit d'aller là-bas. Est-ce que je peux ouvrir... Bah, la porte s'ouvre quand même, quoi qu'il arrive. Je suppose en fait que je risque d'avoir pas mal d'ennemis à cet endroit. Ah, je vais utiliser... Elle ignorait que vous disposiez du creuset des maniaques. Au final, la source énergétique que vous cherchiez à éradiquer de la Terre est aujourd'hui ce qui vous aide à la sauver. La mission sur Sentinel Prime est un succès. L'emprise démoniaque sur la Terre a disparu. Parfait. Seule la lame de creuset d'un Slayer peut venir à bout d'un titan. Vous devez atteindre la cité Sentinelle de Taras Nabad pour retrouver votre creuset avant qu'il ne soit trop tard. Sans lui, rien n'arrêtera le titan. Il y a combien de creusets dans le jeu? On va récupérer notre creuset. Parce que c'est ce qui compte. Par contre, le fait qu'on utilise de l'énergie démoniaque pour fonctionner, ça fait que tout devient rouge et c'est particulier, on va dire. J'ai pas l'habitude d'être considéré comme le méchant. Peut-être pour les démons, c'est le cas. Votre creuset est encore coincé dans le titan qui a attaqué cette cité sentinelle. Votre première bataille contre les démons dans ce monde. Ce monde qui a vu naître la légende du Slayer. D'accord. Mais je commence à comprendre l'histoire et ça c'est plutôt intéressant. Alors, les défis que je fasse sur cette map. Obtenez 6 messages de codex, facile. Utilisez la bombe gifrée. Ok. Utilisez 3 gorilles kills. Différentes sur des Doloris. C'est quoi les Doloris? Doloris, c'est quoi? 6 glory kills différentes? What the fuck? J'ai entendu un râle. Bah, du coup, ça ressemble au level 2, mais je dois être un endroit différent. Je pense que d'ici. Je crois que j'avais vu ce démon allongé sur l'autre map. Il y a des chances en fait qu'on voit l'endroit où on a récupéré l'énergie par ici, tu vois. Peut-être à côté, peut-être là-bas, tu sais. Je vais te découper en morceaux, petit lit. Voilà. Ouh. Ça fait 2 morceaux de toi. Un par là, un par là-bas. Mais par contre, j'ai plus de vie. Ah. Par contre, j'ai pris cher. Mais j'ai pris cher de ouf. Ah, attendez, je reviens.
Nickel, nice. Facile à passer à côté, ça. Hein. On s'en voudrait. On s'en voudrait. Je vous dis, assure, on s'en voudrait si on le rate. Mais oh! Il est sérieux? En grande cité de Tarasnav, cité de la première attaque de démons à Archendemur, d'après la tablette de Korax, la ville aurait couru à sa perte sans trouver le Slayer. Est-ce que j'ai des trucs ici? J'ai un secret en dessous de moi. Ce serait dommage en fait de... Yay! BFG Division. Doom 2016. Très bon jeu. Par contre, je vous avouerai que je sais pas si j'arriverai à retourner à Doom 2016 après ça. Le jeu est tellement... Il y a tellement de killstreaks différents, de glory kills... Enfin, de glory kills différents, de façon de tuer de les démons, de bouger, etc. Ça va faire vraiment bizarre en fait de pas pouvoir faire la même chose en fait. Les coups de BFG un peu gratuits que j'ai foutu là, je vous avouerai. T'es qui toi? Hein? Oh boy. 2 secondes, je dois réfléchir. Ah bordel.
force, malgré toute cette rage, vous n'avez pas pu sauver ce monde de vous-même. Mais cette fois, il n'y a autrement pour la Terre. J'espère bien qu'on pourra sauver la Terre d'une façon ou d'une autre, parce que sinon, en fait, tout ce que je viens de faire, ça sert à rien. Bon, alors j'ai plein de trucs à récupérer ici. Juste que j'arrive à comprendre comment faire pour passer. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. On retient, on retient. Enfin, viens par là, toi. Oh, il a pas aimé ça. Qu'est-ce que tu fais? Merde! Comment je tue ça? Comment je suis censé tuer ce truc-là? Comment je suis censé tuer ce truc-là en si peu de temps? J'ai pas réussi à confrontation secrète, hein. Franchement, je me suis fait démonter. Mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai perdu. J'avais 20 vies one up, il m'en reste 8. Donc, pour vous dire. Je peux pas faire de coups non plus. Est-ce que je peux casser ça avec mon dash? Ah ouais, je peux. Ah ok, d'accord. D'accord, j'ai ouvert ce passage là. Très bien. En fait, je comprends maintenant, c'est bon. Purée. J'avais du mal, hein. Salut, merci beaucoup. Merci pour la pièce. Je crois qu'il a pas aimé, hein. Il était un petit peu en mode « Oh bah, dis donc, finalement, j'ai plus envie. » Je me demande si je pourrais revenir ici après. Parce qu'apparemment, j'ai pas pris la map. Ah, je reviens. Je suis obligé de repasser sous l'eau, là. Shit. Oh, regardez, il a du mal en fait, il est coincé dans le sol, il est en train de mourir en boucle. Ça doit faire mal. Cette confrontation secrète qui m'agace. Parce que j'ai pas réussi à la voir. God damn it! Donc du coup, la carte est par là en fait. C'est bête de passer à côté en vrai. Et j'en ai un... Et j'ai un autre truc là-bas, caché. Alors, j'ai du carburant là-haut que je vais récupérer. Ça ripop ça ou quoi? J'ai l'impression que j'avais déjà récupéré à la base.
Alors, probablement, possibilité d'exploser. D'exploser le sol là-haut. En tapant dessus, certes. Dude! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, mais maintenant je sais pourquoi je peux escalader sur le mur. Je peux escalader sur le mur pour pouvoir sauter et faire ça. Et j'ai récupéré mon truc. Bon, je vais tenter encore une fois le... Je vais encore tenter encore une fois ce combat là. Réussi. Oh mon dieu, il me reste 6 vies. J'en avais avant, j'en avais 21. J'ai perdu toutes mes vies dans ce combat. Je suis ultra choqué de ouf. Purée, t'as des combats parfois, en fait. Mais en fait, c'est pas tant... Le combat, bah, des fois, il est pas si difficile que ça. C'est juste que t'as genre 20 secondes pour le faire. Donc... ça, c'est difficile. Il faut agir. Et vite. D'aucuns chercheraient à mettre fin à cela. Tenez, il vous donnera de la force. Et il vous aidera dans votre périple. Désormais, il vous craindra. Surpuissant ici. C'est ici qu'ils ont transformé mon personnage. Hey. On a de la backstory sur Doomguy. C'est pour ça maintenant Dari fait Doomslayer et Doomguy, c'est le même gars. Ok, pas de souci là-dessus. Génial. Sauf qu'il a été modifié par par ses bébêtes. Wait. Attends. Non! I'm going back! Non! Non! Attends, il doit avoir un truc à péter par là. La même, boy! La même! Wait! J'en ai trouvé qu'un seul! Ah, c'est quoi ça? Ok! Ça me va. J'allais me dire fuck quoi. Yes, en plus ça vaut le coup. C'est une jolie mancubus. Ok, j'ai des potes qui sont là. Je vais pas très bien, chef. Je vais pas bien du tout, même.
Oh mais j'ai les mêmes ennemis que tout à l'heure. Mon Dieu Seigneur. Je me tire d'essayer, moi. Je vais mourir, mais genre... Je vais rien comprendre. Ça devient un peu chaud, le jeu, là. Regardez lui là. C'est lui qui fait le bruit à chaque fois là, qui est chiant. On est tous tranquilles là, on dit rien et lui. J'ai une munition pour mon BFG juste ici. Ce qui fait plaisir. On va pouvoir l'utiliser plus tard. Alors d'accord, j'ai un bouton par là. T'actives quoi toi frère? T'actives quoi toi? Je vais prendre de la vie en bas, il y a une pousse. Alors j'en ai un autre ici. Ok d'accord, c'est juste pas activer l'ascenseur. Mais attends une minute. Ok, tout va bien. J'ai juste raté un one-up. Tout va bien. C'est pas tout va bien, parce que j'en ai plus que 5 sur mes 20. N'oublie pas de consulter la carte pour voir ce que vous avez découvert. Bah, c'est ce que je fais tous les 5 secondes, en fait. Donc, ce qui a tendance à sûrement gêner les gens. Ok, donc, je peux pas passer par là. Est-ce que je peux tirer là-dessus? Non. Ok, t'as une radioactivité, je suppose. I presume. Je suppose que je dois aller sous l'eau. Je dois aller sous l'océan. Sous l'océan. Y'a pas de soucis. Sous l'océan, tout le monde est chiant. Sous l'océan, on n'a pas vu. Hi! Vite, vite. Ah. Putain, ça pique. Mais genre, ça plaisante pas. À m'expliquer ce que j'ai fait. Wait. Du coup, j'ai baissé le niveau de l'eau de radioactive là. Mais ça change pas grand-chose à ma vie en vrai. En fait, j'aurais dû venir de ce côté-là, en fait. Moi, je suis parti de l'autre côté, mais c'est pas grave. D'accord, en fait, en faisant les trous, je fais des évacuations d'autres. Ça marche. Oh, mais c'était un petit peu lent, ça, dis donc. Je t'habitue à plus de puissance de la part des coups de poing du Doomslayer, tu vois. Mais à présent... Oh. Nickel. Nice, 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 nice.
Ah, faut pas que j'oublie de récupérer la clé qui va se trouver de ce côté-là. Yes, baby. Perfect. Oh, attends. Ah, mais du coup, faut que j'avance ici. Parce que la porte est là. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Ça me va, ça me va, ça me va. Je comprends, je comprends. Allons gaspiller nos munitions. Bah, allons récupérer surtout les clés prétoriennes. Qui nous permettront surtout de débloquer plein de petites goodies. Mourir pour rien du tout, putain! Oh, il est mort! T'es gros, je te tue en premier, frère! Qu'est-ce que tu veux, là? Ok, bye, 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 bye! Alors, je me suis fait attaquer par un truc qui était un petit peu gigantesque. J'ai envie de vous dire que je sais pas trop exactement quoi en penser. Il était genre posé là tranquille, sans problème, tu sais, le pauvre. Elle était un peu insane, j'ai envie de vous dire. C'est dingue! Le niveau des difficultés du jeu, il a augmenté d'un cran. Même en fait moins mal, je veux dire. C'est insane. Fuck. Laissez-moi partir! Non! Oh mon dieu, je suis mort. Ouais, la BFG. Putain. Gaspillage de...
J'ai plus de balles. Ah, il est là, lui. Je suis mort. Bordel. J'ai souffert. J'ai tiré toutes les balles de ma vie. Je ne sais pas à quoi en penser, les amis. Si ce n'est que, probablement, je vais mourir. Beaucoup plus que je ne le pensais pour ce jeu. Alors, comment faire pour récupérer le combat ici? Et le point d'interrogation. Nulle part en fait, faut juste que j'avance. Overdrive. Ça là, en guette ton moment, gaspille ton bonne vie. Oh, je suis désolé, je suis en colère. Si la lame du creuset est ôtée, le titan renaîtra de nouveau. Ah ouais, ah ouais, la guerre. Génial! C'est génial comme concept, hein! Tu me demandes de retirer mon creuset là-bas, mais sauf qu'il va revivre! Excellent! Ça veut dire qu'il va m'attaquer probablement, n'est-ce pas? Je vais aller sur le chemin de grave. Je vais monter là-haut avant pour voir si j'y suis. Oh ben voilà, il y a un truc là. Donc du coup, dans mon passé, dans le passé du Doomslayer, j'ai tué ce truc. Enfin, j'ai tué. Je l'ai immobilisé, puisque tant qu'il y a le creuset dedans, qui est une petite épée au passage, il reste mort, tu vois.
C'est-à-dire que cette bestiole est vraiment surpuissante. Voir s'il n'y a pas autre chose avant de commencer à faire des bêtises avec lui, tu sais. Bon, apparemment, j'ai pas le choix. Bon, il m'a fait peur avec de dire il va se réveiller. C'est pas grave. Let's go. Nécessaire dans votre chambre forte. Putain! Ah, je vais mourir. En fait, mon combat contre l'autre gars là m'a fatigué. Donc. J'ai plus de vie, j'ai plus de munitions, plus rien en fait. C'était vraiment pas la bonne chose à faire. Ah, oh, trop de soin. Merci. Oh boy. Laisse-moi tranquille. Bordel, il est encore là, lui. J'ai un léger traumatisme. Sûrement au montage, en fait, c'est sûrement coupé. Mais en gros, je me suis battu contre un truc comme ça pour la confrontation secrète pendant trop longtemps. Et du coup, maintenant, quand j'en vois un, je fais. J'ai la rage, tu sais, la rage en moi. Mais ils sont chiants, en fait, à nous remettre les mêmes ennemis dès qu'on en a battu un en confrontation secrète. C'est... Genre, il s'est fait exprès, tu sais. Dire là, tu vas te rebattre contre lui, c'est dur. Mais là, tu verras tout à l'heure, en fait, tu vas te rebattre contre lui. Mais là, c'est facile puisque j'ai pas 21 secondes à le tuer, tu vois. 30 secondes plutôt. 30 secondes pour tuer un truc comme ça. Avec pas de balles. N'est plus. Divisé, l'énergie démoniaque se dirige désormais vers le sud. Et la société que vous connaissiez jadis n'est plus qu'un monde corrompu régi par les vainqueurs. L'histoire aurait dû être différente. Ouais. Bah, c'est. T'aurais pu au moins me dire à... c'était quoi l'histoire, quoi. Mais j'ai pas de balles pour votre combat, là! Mais putain! Mais sérieux! Mon Dieu! Ah, j'ai disparu de la caméra. Voilà. Laisse-moi respirer. Donnez-moi des munitions. Donnez-moi plein d'ennemis, des petits ennemis à la con que je puisse les manger, hein? S'il vous plaît. Ça, j'accepte. Mon
je vais monter là-haut. Moi. Ah, comme. Ouais, mais non. Ah, quoique, j'ai peut-être pas le choix. Liz! Ce moment où la rage du Doomslayer s'empare de moi, tu vois. Je commence vraiment à les détester, les démons. Je les trouve plus drôles ou quoi que ce soit. J'ai envie juste de les défoncer. C'est tout ce qui compte. Ils vont tous crever, massacrer. Rip and tear. Rip and tear. Rip and tear. Alors, c'est ouvert à gauche, et voir à droite. Ouf. Alors, je dois aller à droite. Des munitions, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Moyen qu'on redescende tout en bas en fait, d'accord, je comprends. Ah bah avant de prendre quoi que ce soit, je vais prendre les petites traits. Alors j'ai eu un défi. Alors c'est quoi les autres défis que j'avais? Je les ai tous eus. Parfait. Sur la carte en fait, on regarde vite fait. Je dois faire peut-être un petit tour derrière, mais sinon, faut que je vienne ici en fait, ce côté-là. Je suis sûr que c'est un endroit où je peux pas venir, vraiment venir. C'est l'ascenseur ça. Monte! Élévation! Non, ça marche pas. Calme-toi la musique. Calme-toi la musique. Une pièce rouge démoniaque. J'insère ça dans le crucible, dans le creuset. Ah, c'est pour le recharger. Nice. Nice, encore une fois. Je vais pas marcher sur les trucs. Putain, j'ai 200 de vie, quoi. Alors, problématique, peut-être. Je suis peut-être tombé, peut-être un peu trop bas, non? Oh. Merde, c'est ce qu'il fallait faire. Ou pas, non, ça va.
Ça active juste ça. Ok, 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 je dois faire un trou en plein milieu. Parce qu'en fait, mon objectif est en bas, je dois redescendre en vrai. Sauf que moi... j'ai ça ici. Est-ce que je peux y accéder en faisant un petit saut comme ça? Yes, baby! Rage! Quake 2. Ok, ça c'est fait. J'ai plus rien à récupérer en haut, on est d'accord. Hein. Maintenant, je dois juste aller à l'endroit où je dois aller. Donc du coup, je dois faire ça, sauter deux fois. Et j'ai juste fait un énorme trou dans le sol. Ah! Il faudra pas que je me manque. Coucou! C'est moi! Je suis rentré! J'ai encore besoin de cette tenue, donc je suppose que il y aura de la radioactivité quelque part. Vu qu'il y a... vu que c'est un peu mouillé ici, peut-être que je vais devoir remplir la zone, vous savez. Comment ça, toi? C'est pas de la violence, hein, j'ai juste... j'ai pas fait exprès de lui donner un coup de poing. Pas ma faute, ok. Donc du coup, j'ai un truc à récupérer qui est en plein milieu, faudra pas que je le rate. Il est genre... tout droit devant. Comme ça, genre... genre, j'ai raté. Peut-être que j'ai moyen, en fait, d'y accéder après, tu vois. Je crois qu'il a pas trop beaucoup aimé ça. Alors il me fait... il me dit d'aller là-bas. Ok. Ah, ça promet ici. Normalement j'ai une espèce de pièce à récupérer ici. Je peux sauter en face et récupérer le secret. Ah d'accord, c'est un texte. Apparemment, il est accessible de l'autre côté de la porte. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Je sais pas. Normalement, non. Alors je pourrais récupérer le texte, mais ce qui m'inquiète c'est que ça j'ai pas pu le récupérer ça, celui qui est tout en haut là.
coup, c'est l'endroit où je dois aller, tu vois. Alimenter le creuset. Du coup, j'ai ce secret là, en fait, qui est toujours dans la espèce de tour, mais je peux pas le récupérer parce qu'il... Je pense que j'aurais dû faire genre tomber et faire une espèce de saut, et il était genre dans un des trous, tu vois. Mais je le voyais pas. N'empêche que j'ai marché sur la lave, hein. Je dis rien. Alors recharge-toi, petit crucible. Petit crusé. Je me demande si c'est méchant. C'est mort. Mon Dieu. Ouh, boy. D'accord. Par contre, c'est pas illimité, hein. Ça one-shot tout le monde. Ça one-shot tout le monde, cette arme est juste géniale. Alors, il y en a un qui est chiant là, ah, il est là. C'est abusé, gars. Oh boy, est-ce qu'il y a des munitions encore quelque part? Ouais, il y en a. Toi, tu dégages. Toi, oh, pas de toi, non. Toi, tu dégages. Tu dégages. Parle plus. Ok, au moins ça, c'est fait. Sauf que le jeu m'a débloqué les voyages rapides. J'aimerais bien voir si j'arrive à récupérer le truc qui était... Yes! Oh mon Dieu, j'ai galéré, putain! Allez, let's go baby. Ah bah c'était fini. Bah c'était la même, la fin. Plein de succès, comme neuf chasseurs de trésors. Bah oui, bien sûr, chasseurs de trésors, t'as cru quoi là? En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié ce long épisode dans lequel j'ai beaucoup galéré, mais peut-être que vous n'avez rien vu grâce au montage. En tout cas, laissez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé, et bien évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Quant à vous, je vous retrouverai donc bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est Ross, out.